Eh bien, salut les amis, c'est Cyanure, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, et aujourd'hui, comme promis, on refait une carrière, cette fois-ci on va faire une carrière en mode poids lourd avec un nouveau combattant. Un combattant que j'ai fait sur, sur le EA Game Pass, là, que vous pouvez voir à l'instant, et que je vais reprendre, alors je vous laisse encore la petite surprise, quelques instants avant de vous dire qui c'est. Et peut-être que certains vont l'avoir reconnu. Alors malheureusement, il n'y a pas son tatouage, il n'y a que la moitié de son tatouage, enfin même pas la moitié. Pour ceux qui connaissent, bah c'est tout simplement Mike Tyson. Alors j'espère que vous l'aurez reconnu, hein. J'ai fait comme j'ai pu pour qu'il soit vachement ressemblant. Le problème c'est qu'on ne peut pas prendre... on peut prendre que le visage de face, on peut pas prendre le visage de côté vu qu'il a le tatouage. Ça. En gros, ça aurait mis le tatouage sur les deux côtés, ça aurait fait bizarre. Donc, je ne voulais pas. Alors, dans cet épisode, on va tout simplement faire notre personnage. Merde. Ah, ok, on a dépassé. Alors, on va retourner en haut et on cherche Kid Dynamite. Un de ses surnoms. Un de ses surnoms. Alors, attends. Putain, mais je suis mauvais? Ah non, en fait, ça c'est son nom, prénom, merde. Faut que je mette Tyson, y a pas écrit Tyson dedans. C'est normal, hein. Hop. Donc c'est ouais, c'est un très très grand boxeur pour ceux qui le connaissent pas, qui a gagné pas mal de titres, qui a même tenu le titre pendant quelques années. Et bah après qui a eu pas mal de petites bavures, si je puis dire. Parce qu'il a été en prison, etc. etc. Enfin. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas sa vie. Il a une vie riche en rebondissements. Alors, New York, hop, c'est ça. On va le mettre à 18 ans. Alors, pour info, il a été champion du monde poids lourd en boxe anglaise à l'âge de 20 ans. Poids lourd, voilà. Il faisait 1m78. Il faisait 100 kilos. À peu près. On va mettre 103. Voilà, ça c'est pour ça. les tatouages, alors il avait un tatouage à l'abdomen, sauf que c'était de Che Guevara, mais bah, on peut pas le mettre, il n'y a pas de Che Guevara. Alors on va mettre un autre, juste histoire de dire. Alors est-ce que par contre on va pouvoir le placer? Alors ça par contre c'est super mal fait. On peut pas, alors on peut choisir des tatouages et tout, mais on peut pas les placer. Ça c'est, franchement c'est dommage. Je trouve ça super dommage. Vous voyez, si je le mets après, bah, je peux rien faire de spécial en fait. Ouais, je peux rien faire de. Non, je peux rien faire. Par contre, c'est super bien fait. On voit la respiration. Ouais, on voit la respiration. Putain. Dans la création du bonhomme, j'avais pas fait gaffe la première fois. C'est juste énorme. Désolé, hein, mais c'est la vérité. Alors, haut du bras droit. Pareil, il avait des tatouages. On va lui mettre un tribal ici. Et avant bras droit, on va lui en mettre un aussi. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Moi, j'aurais bien aimé que dans le jeu, on puisse faire son... Son tatouage quoi, tout simplement dessiner plaque poum plaque plaque poum. Alors je sais pas si on peut pas le mettre, peut-être on va mettre ça hein. Je sais pas si on peut pas le mettre carrément avec le Game Pass. Je vous avoue que j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais enfin j'ai regardé mais j'ai pas trouvé, du moins je me suis pas, j'ai pas approfondi la chose. Keep playing with that role, and you gon' know the
Ok. Musique cool là qui va sûrement disparaître. Ça fait chier ça qu'on puisse pas enlever les musiques. Allez, lui je sais qu'il aimait bien les félins. Donc on va mettre un félin et on va mettre. Tiens, une poule mouillée. Ça c'est pour dédicace à. Ah non, mince! Je me gourre! Autant pour moi! Je me gourre et maintenant on va mettre l'avant-bras gauche et on va mettre la poule mouillée. La poule mouillée. Hop! Prac! Allez! Ah, ok, à l'intérieur! Alors va comprendre pourquoi là il se met à l'intérieur et là-bas il se met à l'extérieur. Enfin bref. Ouais, d'accord. Bah écoute, voilà. Et ouais, dans le crâne, vous voyez, c'est à l'arrière qui se met. Et dans le cou, bah c'est sur le côté, ça fait. Enfin voilà, c'est pas top. Donc bah, on a essayé de faire. Alors ça, c'est sa tête maintenant, hein. J'ai pas réussi à trouver de photo de sa tête il y a peu. Alors bon, j'ai fait comme ça. Alors, équipement d'entrée. Ok, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même rien d'ailleurs. Putain, mais c'est con. Pourquoi il n'y a rien? Vous pouvez déverrouiller ce sponsor et appliquer son logo à une bannière. Ok, d'accord. Le mec qui a fait que de la. Ok, bon, y a rien non plus. Bon, bah, fuck. Sponsor, allez. T'inquiète, tranquille. Okay. Le shirt qui bouge comme ça, tranquille. Putain, ah ouais, non, mais en fait, j'ai rien débloqué quoi. C'est ça va se faire après, à mon avis. Je pense. Attribut. Alors, voilà, attribut, on va mettre box direct. Il a déjà direct 77 le mec. Y a pas, ils ont pas rajouté d'autres trucs. Non, bon, hop, box. Voilà, on est ok les amis. Donc il aura de la il fera de la boxe. Ce qui est logique hein, pour Mike Tyson. On sauvegarde et on quitte. Voulez-vous sauvegarder vos modifications? Oui, bien entendu. Et on va commencer le tournoi, les amis. Notre carrière poids lourd de Mike Tyson. Le chargement est super lent. Toujours. Ça n'a pas changé. Ah, ça je vais l'éteindre parce que le téléphone qui fait un bring. De toute façon, je sais pas. On va voir si je coupe le chargement ou pas. On va voir. Hop. Allez, on va revoir toutes les cinématiques. C'est pas grave, ça fait plaisir. I believe fighting is the most honest thing you can do. It's real. I always love competition. Just turned out to be the most pure form of competition I've ever found. I'm always trying to be the better guy at whatever we're going to compete at. It brings out a lot of truth in who you really are. Are you coachable? Are you humble? Are you a team player? Do you have the discipline to fulfill your potential?
as I become better as a person and as a fighter, it reflects on how dominant I'm. Oh là là. You train your mind to be strong. Coup de genou comme ça. Ouais, donc on va se retrouver en face de John Jones hein, dans ce mode carrière. Ça va être du lourd. Autant se dire que ça va être du très très lourd. Mike Tyson en UFC. Boom. Ouh. Ces effets là, ils sont vraiment hard. Ah ouais, Silva, il avait pris cher. Voilà. Clac, clac, clac. Allez, c'est parti. Je suis Mike Dolls. Je travaille avec de nombreux combattants UFC. Aujourd'hui, les recruteurs vont suivre de près la nouvelle saison de l'Ultimate Fighter. On va commencer par tes techniques standards debout. Suis les instructions, bon courage. In MMA, all fights start standing up. Oh là là, ce qu'il a mis Chuck. Chuck Liddell. If you have not mastered this range, you will be in trouble from the immediate opening of that bout. If you understand all the angles, Mark Hunt, il était chaud lui à combattre quand même. Then you're going to be in control. Ah putain, ce qu'il lui a mis. Allez, c'est parti, on va s'entraîner. Mike Tyson. Hop. Les entraînements habituels. Alors il est assez... Putain, il y a des travaux, super. Les amis, j'espère que vous allez pas entendre. J'aime comme tu combines ces frappes. Il s'était arrêté, il reprend juste quand je reprends pour faire une vidéo, c'est super. C'est super génial. Boum. Boum. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça tout le temps. Hop, allez, on continue. On a la ceinture noire, c'est parfait. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les coups de pied à la jambe. Je veux de la maîtrise. Ouais, t'inquiète. Ta distance, évalue ta portée et frappe de toutes tes forces. Voilà, de toute façon, c'est le début. Il n'y a pas beaucoup de changements. Continue à la battre comme un arbre. Mike Tyson qui met des coups de pied. Eh, écoutez, hein, s'il avait été à l'UFC. Il aurait dû faire ça, même s'il a, même s'il est dans la boxe. Il y a des boxeurs, hein, Bob Sapp, qui est pas en UFC, mais qui a participé un petit peu au... et qui a combattu contre des mecs de l'UFC. Et ben, ouais, c'est un boxeur, hein, il a pas de technique d'ailleurs. C'est le mec le plus gros bourrin que j'ai jamais vu, je crois, lui. Puis des fois il se prend des trucs, mon pauvre. Alors, c'est quoi qu'il faut faire? Ok. Alors, ouais, ça c'était une force de... C'était une force du combat à comment il s'appelle, à Mike Tyson. Il esquivait super bien. Et dans le coup, bah... Ok, il a plus de... Hop. Allez, 10 secondes, pousse-le. Voilà. T'as assuré avec cette défense. Le petit blanc pour se concentrer. Mais... Bon boulot, on va monter sur l'octogone pour un petit round de sparring debout, combine les déplacements, les attaques et la défense, voyons ce que tu sais faire. Ah
Alors, je vous avoue que. Oh! Ça commence! Excellent! Continue comme ça, ça fonctionne! Oh! Oh la droite là, mon gars, s'il la décolle celle-là! C'est bien! Prends le temps de respirer et maintiens ta position! Ah, ok, on peut pas. Ok, on peut pas faire. Ok. Il va lancer un high kick. Ouais, mais il l'avait déjà fait quand tu l'as dit en fait. C'est dommage. Faut que je me méfie maintenant sur les coups comme ça. Il faut que je me protège un peu plus et que voilà quoi. Parce que. Ok, d'accord. J'y ai pété le nez, ça y est. Ok, donc il a plus de. Oh! T'as pas mal, comme dit. Comment il s'appelle? Mickey à Rocky! Comme dit Mickey à Rocky, t'as pas mal, pour ceux qui connaissent. Oh putain! Il y a du sang partout, j'y ai pété le nez, je crois. J'ai fait trop mal. Allez! On revient au gymnase. Et on va, je pense, faire le premier combat, il me semble, du moins, que c'est ça. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied, mais celui qui a pratiqué le même 10 000 fois. Oh putain, ça c'est de la phrase de Bruce Lee. Alors joli, ok, on va faire quelques exercices de clinch, histoire de voir comment tu te débrouilles dans cette position. Tu n'as qu'à suivre les instructions, bon courage. Donc voilà, il faut que... on va faire du clinch. On va faire du clinch. There's a saying in combat, the person that controls the clinch controls the fight. Whether your opponent is trying to strike with you or take you down, the clinch is inevitable. If you look at boxing, if you look at Muay Thai, if you look at kickboxing, where clinching is not really the backbone of the sport, it happens. It happens naturally, it happens organically. If you're great from the clinch and you can take somebody down, then that's where you've decided to take the fight. If you're great in the clinch and you don't want to be taken down, then that's where you decide to fight. You control everything. The clinch really is one of the most important things that you can do. Ouais, ça je l'avais remarqué, hein. Putain. Alors si c'est à gagner que sur ça, quasiment, la dernière, au dernier, à la dernière carrière. Alors on y va, hop, on fait ce qu'il nous demande. Eh oui, c'est vrai que bon, j'avais appris à les contrôler, hein, dans le coup, voilà. Hop. Voilà, bon, c'est fini. C'était assez simple là. Hop, on continue. Je pense que je vais couper tous les chargements parce que sinon ça va faire perdre énormément. Contrôle son torse avec des coups efficaces pour le briser. Bien joué, bonne position de main. Non, il a retenu ce que j'avais appuyé, parce que le coup ne partait pas quand j'ai appuyé la première fois, dans le coup j'ai appuyé une deuxième fois et en fait, eh ben je me suis fait niquer. Êtes-vous d'accord avec moi?
je crois. Allez. Ah, c'est la dernière. J'avais pas fait gaffe. Et voilà, c'est fini. Excellent travail. Si tu continues à t'entraîner comme ça, bah on va continuer hein, on va continuer. Écoute. Alors bien joué, comme la dernière fois, on se fait un petit round de sparring là contre. Concentre-toi sur le clinch, bosse tes transitions, lance des frappes et libère-toi, entraîne-toi jusqu'à la fin du round. Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Bon, on a vu quand même que les coups qu'il mettait avec les points là, pouah, c'était du lourd quand même. Je peux pas lire, mais ça piquait un peu la tête. Allez, c'est parti. Hop. Ok, bon bah tu veux pas le faire, c'est pas grave. Ok, ouais, faut que je me concentre sur ça aussi. Sur le fait d'esquiver quand il essaye de... Ok. J'aime bien cette musique, mais à chaque fois elle est censurée en fait. Ok, d'accord. Coup d'épaule, coup d'épaule. Ok. Ok, non, tu veux pas passer en transition là. Alors par contre, il met pas de coup de poing, je comprends pas. Bon allez, vas-y, passe. C'est un boxeur, mais il met pas de coup de poing en fait. Il veut pas me laisser passer. Hein. Non, il veut pas. C'est. Ouais, en fait, il y a que les coups de genoux qui passent. Il veut pas mettre de coups de poing, c'est dommage. Hein, on va reprendre, hein, en gros, c'est ça, hein, maintenant que je vais me servir que les poings, quasiment. Bon, allez, on revient au gymnase. Après ces deux cleans, j'espère qu'on va avoir un combat, quand même. Ouais, je pense, quand même, on va faire 30 petites minutes, là. On est bientôt à la fin, d'ailleurs. On va voir si on met plus ou pas. De toute façon, déjà, les chargements là, on va les virer. Tu m'en peut-être pas celui-là parce que je suis en train de vous parler, mais. Allez, on continue. On va travailler les techniques de base au sol entre lutte et jujitsu. Comme d'habitude, si les instructions. Suis les instructions et fais de ton mieux! Submission is very important in mixed martial arts. C'est plié. C'est fini. C'est terminé. It's all over. Tout est fini. I can get my whole body wrapped around your arm. Odds are my entire body stronger than just your arm alone. If I can get my whole body wrapped around your neck, I'm gonna win again. Allez. You put enough pain in their brain where they want out. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la lutte. Je veux que tu imposes ces takedowns. Combien tu penses en rentrer sur ce mec? Bah, je sais pas, à toi de me dire. Rentre-lui dedans, bien joué. Ah ouais, mais il tombe comme ça, débarre. Attends. On va faire un autre truc parce que. Ah d'accord. Boum. Allez, ah bon bah ok. Bien joué. Hey,
Excellent boulot, bel entraînement. Continue. Rappelle-toi de cette session si tu veux remporter un titre. Alors là, à mon avis, c'est... Aujourd'hui, on va voir ce que tu vaux en défense de soumission. Ok. Je veux que tu ouvres ton esprit, mais que tu contrôles ton corps. Ouais, c'était bidon, je trouve. Hein. Je me suis mal démerdé hein, pour la défense de soumission. Mais bon, si tu dis que c'était bien, écoute. Alors, R1. Ah, oh, bah en fait, c'est pour mettre une soumission. Hein. En fait, y a rien qui descend là, je comprends pas là. Non, pas faire ça. Il est bugué le truc ou quoi? Parce qu'en fait, ça monte pas quand je fais L en haut. Ou alors. Ok. Non, ça fait pas. Bah écoutez. Ah ok, faut faire les deux en même temps, les barres. Bon écoutez, on va recommencer hein, parce que c'était tout con et il fallait juste faire les deux en même temps en fait. Si tu combats comme tu t'entraînes, tu vas vite rejoindre les rangs. Ouais bon, il a la ceinture noire, on va pas recommencer, on va pas vous faire chier avec ça. Bravo, encore. Ok, encore un court round de sparring, on va aller, hein, on va faire ça. On va essayer de le soumettre, tiens. N'est-ce pas? Ce serait propre ou pas? Salut mec! Oh putain! Attends! Ok. Ok. Attends, mais en fait, il fait rien là. La manette elle est allumée. D'accord. Hein, il veut pas. Voilà. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Putain, après une carrière, juste j'ai réussi à comprendre. On est d'accord? Mais non, mais vas-y, fais pas ça là. Ok, d'accord. T'as pas envie de le prendre en. Putain, mais j'ai pas compris là. Pourquoi il fait ça? Mais il veut pas prendre. D'accord? Ouais, si tu veux. Écoute. Ok. Ok. Ok, tu te débrouilles bien, c'est bien, tiens ta position, reste et détends-toi. Le boxeur, ouais. Ah non mais pourtant j'ai de la. J'avais de la vie, j'avais de la vie. C'est pas grave. Hop. Ouais, il fait pas en fait, hein. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un entraînement pour faire les takedown et pour s'entraîner au takedown et tout, mais quand j'appuie sur L2 et la machine, là, faut avouer que j'ai fait toutes les touches dans le coup, hein, parce que je me disais, ça se trouve c'est moi qui déconne, mais même pas, même pas. Bref, c'est pas grave. Ouais, c'est pris des coups quand même, hein, Tyson, là. Putain, il a une tête de ouf, quand même. Il a une tête de ouf, Tyson. Mike Tyson. Revenir au gymnase. Allez, un petit combat, là, ça serait parfait. On va pas se garder le premier tournoi pour le deuxième épisode, quand même, si.
Je ne sais pas. Peut-être. Ça vous énerverait, je pense, ça, mais... Hey kid, congratulations. You've been chosen to fight in the elimination fights on the Ultimate Fighter. I look forward to seeing you in action. Merci. The Ultimate Fighter is the toughest tournament in all of sports. You've got to be a well-rounded mixed martial artist. You got to have the mental, physical, and emotional toughness to get through this competition, get into the UFC, and hopefully someday be a world champion. The Ultimate Fighter. Come on in, guys. Tomorrow, the elimination fights. You know how hard it was for you to get here. Give it everything you've got. Leave everything inside that octagon. You do not want to be the guy riding home on the bus tomorrow. Good luck, gentlemen. Ah, ok. Je peux être avec Saint-Pierre ou avec Lawler. Saint-Pierre, ce serait peut-être pas mal, il est français, enfin, du moins il parle français. Il est pas français, mais il parle français. Appuyez pour passer au match d'élimination. Bah écoutez, on va en faire un, au moins. Au moins un. Et on va se laisser les autres pour les prochaines fois. Hein. En essayant de le gagner au plus vite, ce serait bien. Je vous avoue que ça va être compliqué, hein. La première fois que je l'ai fait, putain, il fallait recommencer 25 fois pour gagner, mais bon, on va essayer, on va se le laisser comme ça, crac crac. Iron Mike. Are you ready to fight? Come on! Ah, c'est les mêmes que. J'ai l'impression qu'il se laisse un peu plus faire, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, vous avez vu qu'au début, je l'ai mis en mode normal, mais il y a eu une mise à jour apparemment. Ok, bon, on va. Ok, d'accord. Toujours le problème de la protection. Ok. Il vise mal hein, quand même. Hein. Ok, d'accord. Oh, il est KO. Il est KO. Bon bah voilà, le premier combat est gagné assez facilement. Les amis, Mike Tyson a gagné. Putain, franchement sur le Game Pass EA, il ressemble 10 fois plus à ça que
enfin à Mike Tyson que là il y ressemble, hein. Je vous avoue, je vous mettrai une petite photo parce que honnêtement là c'est horrible. Mais bon. Voilà, on a gagné au point, comme un boxeur. Et c'était plus simple que y a très longtemps maintenant. Qu'au tout début. Alors, c'est sick, résultat combat, revenir au gymnase. On a gagné, donc c'est bien. Assez content de moi, les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait une bonne vidéo là, ça fait à peu près 35 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là. J'espère que le combattant que j'ai fait va vous plaire. Je vous mettrai une petite photo du Game Pass EA ce que donne le Game Pass EA. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Salut.